Chloé Cooper est une jeune femme qui a intégré en 2018 la célèbre émission de télé-réalité Les Marseillais, Australia. Après cela, elle participe à d'autres programmes comme La Villa des Cœurs Brisés, La Villa, La Bataille des Couples et Les Anges, Hey Jeune Dream. Depuis, la Marseillaise a fait du chemin et comme beaucoup d'anciennes candidates de télé-réalité, elle s'épanouit sur les réseaux sociaux et partage son quotidien sur Instagram. De ce fait, ses abonnés ont pu découvrir grâce à un post, le 26 février dernier, que Chloé Cooper attendait son premier enfant avec son conjoint Sébastien Pinelli. Depuis, la jeune femme a partagé son quotidien de femme enceinte et a annoncé la naissance de sa petite fille ce samedi 26 août. Une nouvelle vie commence pour Chloé Cooper sur le premier cliché de la petite famille, on peut lire en légende, c'est de notre petit nuage que nous vous annonçons la naissance de notre fille Lou. Elle a vu le jour ce vendredi 25 août à 17h06. 2,9 kilos de bonheur et d'amour. Tout le monde se porte bien. On vous embrasse très fort. Après cela, la jeune maman a décidé de prendre la parole face cam dans sa story Instagram afin de donner, de vive voix, des nouvelles, de leur bébé et de leur quotidien désormais chamboulé. Une petite story pour vous dire que nous, ça va plutôt pas mal. On redescend petit à petit de notre petit nuage. Enfin, on y reste plus ou moins, mais on récupère un petit peu de nos émotions au fur et à mesure. Là, Seb est parti à la mairie pour la déclaration de la naissance. La poupette, elle dort à côté. Bientôt le retour à la maison. Manifestement encore un peu chamboulée, elle a poursuivi, je voulais vous remercier pour tous les messages qu'on a eus. Je n'ai évidemment pas pu prendre le temps de répondre à beaucoup d'entre vous, mais on est énormément touchés par tout ce qu'on a reçu. Chloé Cooper @Instagram ce mardi 29 août, Chloé Cooper a évoqué la rencontre avec son chien et a annoncé une grande nouvelle, Seb est parti chercher Rio. Il va le ramener à la maison et s'occuper de lui. Il va surtout lui faire sentir les odeurs de Lou. Il va ramener les pyjamas, body sale et tout ce qu'il faut, avant qu'il revienne me chercher et qu'on rentre tous ensemble à la maison.